Thierry Zondé, et compatriote congolais, surtout katangais, de père et de mère, vient de répliquer par rapport à ce qui se passe ou bien par rapport à ce que Bazo préparait après l'élection. Il y a résultat de l'élection, des ordres, maquilla, congolais, itanga et tout consort. Et non, les gens qui sont tous au cahier, salut d'abord à vous tous, salut à tous les abonnés de chez Dania TV officiel. Aimez, partagez, invitez les autres, surtout abonnez-vous massivement. Je réponds au dédié à Mala International, votre humble servante. En tout cas, je vous laisse le temps de suivre notre frère Thierry Zondé. Et puis, on va faire l'analyse ensemble avec vous. Let's go. Et mes nouvelles vidéos, t'es là, surtout publicité. Merci beaucoup. Chers collègues, je me tiens devant vous pour répondre à un soi-disant leader congolais et leader katangé, puisque moi, je suis un katangé. Je réponds à M. Christian Mwando. M. Christian, vous avez parlé de la rue, qu'après la publication des résultats, puisque vous, votre candidat ne va pas passer et que les gens doivent aller réclamer sur la rue. Est-ce que vous, d'abord, vous connaissez la rue? Vous, monsieur Christian, vous connaissez la rue? Vous avez fait la rue où? Est-ce que vous, là où vous êtes, vous n'avez même pas de fanatiques? Vous n'avez même pas de militants? Vous n'avez même pas de combattants? Alors, de quelle rue vous êtes en train de parler? Il ne faut pas distraire les gens. Monsieur Christian, il ne faut pas distraire les gens parce que moi, je vous connais personnellement. Ok? Même les gens de votre quartier ne peuvent pas voter vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé à Moba, à Kalemi, ne fût-ce que pour encore profiter et hériter du nom que papa a laissé. En dehors de ça, vous, on ne vous connaît pas. On vous connaît d'où? Parce que quand vous étiez ministre de Finances au Katanga, puisque le Katanga vous a tout donné, vous êtes fait appeler argentier du Katanga. Argentier du Katanga avec quel argent? L'argent du contribuable. Vous avez été ministre de Finances. Vous avez asphalté une avenue qui est allée jusqu'au niveau de votre barrière. Ça s'est arrêté. Et le pauvre Congolais, les pauvres voisins n'ont pas bénéficié de cet asphaltage. Et vous allez dire que vous, vous êtes un patriote. Vous, là, 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 vous êtes un patriote. Arrêtez ces histoires-là, monsieur Christian. Vous avez parlé de la victoire. Que Kadima va vous voler la victoire. De quelle victoire il va vous voler? Même s'il s'avérait qu'aujourd'hui, le Katanga pouvait voter Moïse Katumbi 100% et que M. Félix devrait avoir 0%, ce n'est pas pour autant que M. Katumbi devrait passer président de la République. Arrêtons de manipuler la population, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas normal. Le Katanga n'est pas la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, avec les résultats qui sont sortis, qu'on n'a pas eu à voter massivement le chef de l'État, oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les soldats que le chef de l'État a envoyés n'ont pas fait une bonne campagne, ils n'ont pas fait la campagne pour que cette majorité silencieuse qui aime le chef de l'État pouvait le voter. C'est juste ça. Parce que ces gens avaient un pied dedans, un pied dehors. Et ces gens étaient en train de faire, la propagande pour vous. Voilà maintenant pourquoi vous êtes en train de réclamer. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis un Katangais. Nous assumons, bien que les soldats que le chef de l'État avait envoyés pour sa campagne n'ont pas été à la hauteur, nous, nous sommes là. Nous, nous assumons, ok, et que nous, nous allons continuer cette bataille. Autre chose, M. Christian, vous avez parlé de votre papa, que son âme repose en paix. Mais même là où il est fâché contre vous parce qu'il a laissé un patrimoine katangais qui était l'UNADEF. Vous, vous avez vendu ce parti politique. UNADEF aujourd'hui existe. Mais avant que papa Mwando ne meure, il avait laissé ce parti. Ce parti est où? Par votre cupidité, parce que vous voulez tout hériter et tout détruire. Voilà maintenant votre leader là qui vous demande, à vous les Katangais, d'aller sur la rue pour revendiquer. Demandez à lui-même d'aller sur la rue. Comme ça, ça sera la première personne qui va défier l'État, qu'on va arrêter par la police, on va le mettre en ouf et il comprendra c'est quoi l'autorité de l'État et c'est quoi la rue. Arrêtons de faire semblant. Toi, tu ne connais même pas les sentiers politiques de la rue. De quelle rue, toi, tu veux parler? Toi, tu connais la rue, toi? Toi-même, quand tu regardes là, tu as déjà eu même une pierre sous ton corps, là, pour la rue? Tu as déjà eu un fouet? Arrête ces histoires-là. Toi, tu seras dans ton salon climatisé et tu envoies les Katangais. Chers Katangais, il ne faut pas suivre cet appel de ce soi-disant leader. Il n'est pas un leader.
Lui, il hérite tout de son père. On lui a laissé un patrimoine katangé qu'il a vendu. Et vous allez faire confiance à une personne comme ça? Arrêtez cette histoire. Ce monsieur, même ses amis, ne sont pas avec lui. Quand il était ministre, il suffirait seulement qu'un de ses amis l'appelle pour lui dire « Bonjour Christian ». Il se fâchait parce qu'il voulait se faire appeler toujours « Excellence honorable ». Voilà maintenant sa nervosité. Il veut toujours entrer dans le, dans le système. Arrêtez ces histoires. Cher Katangé, après la victoire, nous devons célébrer. Célébrer la victoire de la personne qui va remporter les élections avec une coupe de champagne et en train de glorifier l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà un vrai compatriote congolais. Ouvre-moi ça la mawaya bandekonaye. Ouvre-moi la mawaya ba congolais. Parce que moutouaza congolais a solo de père de mère. On n'a jamais maquila ya bandekonaye itanga. Pour n'a ben terre. Ya batou moussoufou. Bango bazoli a bien, bazomé la bana, bango baza bien. Mais les Congolais sont en train de souffrir. Les Congolais sont en train de pleurer. Nde ba Congolais wana, nde ba moni population a koubim sana bala bala. Après l'élection, après résultat l'élection, pour que ba sala désordre. Je rappelle encore, Félix Antoine Tshisekedi jusque là, il est en train de remporter à Zoom. Battrait ba confrère naïe topé ba adversaire naïe mousso ba postila ki ba on est tout beaucoup esquissing a ba en grippe se dérangera en tout cas et pour le moment azo le kabango azo battre record en fait. Maintenant il y a une groupe de gens, je n'ai pas besoin de citer et tout et tout, parmi aussi les gens que j'avais parlé hier, John Numbi Balobi que ce qui Félix Antoine tu sais qui est des abîmes ba ko sala guerre ba ko sala désordre makila ko tanga makila wane ko tanga ba famille na bino John Numbi ya peuple congolais té moto ko rapporter ba comment on appelle ça ko joie na présidence yo anande tobi ta maboko o ya zuitez la prochainement. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Moto a kozwa, a kobi maloko la président. Nde wana biso to kobeta maboko. En tout cas, moi aussi, si je peux demander quelque chose, something pour la bah, le choix, et peuple congolais à Lubumbashi, à Katangé, je dirais que beaucoup de temps à la discrétion était. Bah, la bon, bah, ça bien, pas au voyager, pas au lia bien. C'est vous, c'est nous, peuple congolais, qui toujours souffrir. Ok, tout comme au monde, nous souvenons comme un diamant, mille qui peut tomber là, ou comme la biseau diamant. Alors, des biseaux, des tourbiments, na bala bala, pour tout koufa, pour la bentere na bango. Peuple congolais, font la mission. Koko t'en a qu'à ta distraction, t'es. Kokende toko fa ou fele ou liye bon ane bien et komi a partir so ki a le 31 lobi et komi so pa partir a le 3 ou ki oko fa ou fele nyom toko te e deja 2024 peple kongole fongo la miso le a peple kongole ki le laka bayara ou sungate. Bazela na tanga belekyo pou ba yo esa peuple congolais nde bazoba na bango bangama na bango babi mama ki kokufa na balabala. Cher peuple congolais, nos frères Katangé, ba me mabino na distraction te. Ou résulté bimi pou kende kobima na balabala. Parce que selon bango balingi muta bimeza la katumbi. Balingi fachite. Fati ami a s'imposé à la peut-être place sur Azate. Topeti a zo battre record yete. C'est la confiance de peuple congolais ou ba pissie, chance ba pissie. Mais voyons voir comment le résultat provisoire est pour demain. Et j'ai déjà naté liste, n'a expliqué comment ça va se passer demain. Et après, là, on va vraiment causer la lutte 3. Ba résultat définitif. Trouver ba nani vraiment. Ou la bimi na kate ngomba, tope mokonjwa kukamba mboka ya RDC,
la République démocratique du Congo. En tout cas, compatriotes, soyons vigilants avec Makambo Bazunga Simbisa. Merci beaucoup, Mbokachi Rinzonde. Et c'est ce genre de personnes qui tous a vraiment la besoin à Bango, dans la RDC. On a compris vraiment que tu es un vrai Katanga de père et de mère. En tout cas, non, l'ingénieur, c'est sous intervention de Konabiso Thierry. Et puis, je vous dis déjà des gros bisous à la prochaine. Mais, Naruti Labino et tout l'anda vraiment la bokebi. Aimez, partagez surtout, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, c'est moi, votre humble servante Danila Mankoto Diam, l'international. Meilleur vers vous tous déjà. Chers collègues, je me tiens devant vous pour répondre à un soi-disant leader congolais et leader katangais, puisque moi je suis un katangais. Je réponds à M. Christian Mwando. Monsieur Christian, vous avez parlé de la rue, qu'après la publication des résultats, puisque vous, votre candidat ne va pas passer et que les gens doivent aller réclamer sur la rue. Est-ce que vous, d'abord, vous connaissez la rue? Vous, Monsieur Christian, vous connaissez la rue? Vous avez fait la rue où? Est-ce que vous, là où vous êtes, vous n'avez même pas de fanatiques? Vous n'avez même pas de militants? Vous n'avez même pas de combattants? Alors, de quelle rue vous êtes en train de parler? Il ne faut pas distraire les gens. Monsieur Kissé, il ne faut pas distraire les gens parce que moi, je vous connais personnellement. OK? Même les gens de votre quartier ne peuvent pas voter vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé à Moba, à Kalemie, ne fût-ce que pour encore profiter et hériter du nom que papa a laissé. En dehors de ça, vous, on ne vous connaît pas. On vous connaît d'où? Parce que quand vous étiez ministre de Finances au Katanga, puisque le Katanga vous a tout donné, vous vous êtes fait appeler argentier du Katanga. Argentier du Katanga avec quel argent? L'argent du contribuable. Vous avez été ministre de Finances. Vous avez asphalté une avenue qui est allée jusqu'au niveau de votre barrière. Ça s'est arrêté. Et le pauvre Congolais, les pauvres voisins n'ont pas bénéficié de cet asphaltage. Et vous allez dire que vous, vous êtes un patriote. Vous, là, 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 vous êtes un patriote. Arrêtez ces histoires-là, monsieur Christian. Vous avez parlé de la victoire, que Kadima va vous voler la victoire. De quelle victoire il va vous voler? Même s'il s'avérait qu'aujourd'hui, le Katanga pouvait voter Moïse Katumbi 100% et que monsieur Félix devrait avoir 0%, ce n'est pas pour autant que monsieur Katumbi devrait passer président de la République. Arrêtons de manipuler la population, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas normal. Le Katanga n'est pas la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, avec les résultats qui sont sortis, qu'on n'a pas eu à voter massivement le chef de l'État, oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les soldats que le chef de l'État a envoyés n'ont pas fait une bonne campagne, ils n'ont pas fait la campagne pour que cette majorité silencieuse qui aime le chef de l'État pouvait le voter. C'est juste ça. Parce que ces gens avaient un pied dedans, un pied dehors. Et ces gens étaient en train de faire, comment est-ce que j'appelle, la propagande pour vous. Voilà maintenant pourquoi vous êtes en train de réclamer. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis un Katangais. Nous assumons, bien que les soldats que le chef de l'État avait envoyés pour sa campagne n'ont pas été à la hauteur, nous, nous sommes là. Nous nous assumons, OK, et que nous, nous allons continuer cette bataille. Autre chose, monsieur Christian, vous avez parlé de votre papa, que son âme repose en paix. Mais même là où il est fâché contre vous parce qu'il a laissé un patrimoine Katangais qui était l'UNADEF. Vous, vous avez vendu ce parti politique. L'UNADEF aujourd'hui existe. Mais avant que Papa Mwando ne meure, il avait laissé ce parti. Ce parti est où? Par votre cupidité, parce que vous voulez tout hériter et tout détruire. Voilà maintenant votre leader là qui vous demande, à vous les Katangais, d'aller sur la rue pour revendiquer. Demandez à lui-même d'aller sur la rue. Comme ça sera la première personne qui va défier l'État, qu'on va arrêter par la police, on va le mettre en ouf et il comprendra c'est quoi l'autorité de l'État et c'est quoi la rue. Arrêtons de faire semblant. Toi, tu ne connais même pas les sentiers politiques de la rue. De quelle rue, toi, tu veux parler? Toi, tu connais la rue, toi? Toi-même, quand tu regardes là, tu as déjà eu même une pierre sous ton corps, là, pour la rue? Tu as déjà eu un fouet? Arrête ces histoires-là. Toi, tu seras dans ton salon climatisé et tu envoies les Katangais. Cher Katangais, il ne faut pas suivre cet appel de ce soi-disant leader. Il n'est pas un leader. Lui, il hérite tout de son père. On lui a laissé un patrimoine katangais qu'il a vendu.
Et vous allez faire confiance à une personne comme ça? Arrêtez cette histoire. Ce monsieur, même ses amis, ne sont pas avec lui. Quand il était ministre, il suffirait seulement qu'un de ses amis l'appelle pour lui dire « Bonjour Christian ». Il se fâchait parce qu'il voulait se faire appeler toujours « Excellence honorable ». Voilà maintenant sa nervosité. Il veut toujours entrer dans le, rentrer encore dans le système. Arrêtez ces histoires. Cher Katangé, après la victoire, nous devons célébrer. Célébrer la victoire de la personne qui va remporter les élections avec une coupe de champagne et en train de glorifier l'Éternel. Merci beaucoup.